Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une présentation de la Olight H1 Nova. Donc, comme vous pouvez le voir, une lampe frontale ultra compacte. C'est pas mal du tout. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, je vous annonce tout de suite les modes: 2 lumens, 15 jours, 15 lumens, 42 heures, 60 lumens, 8h30, 180 lumens, 3 heures. Ensuite, 500 lumens pour 3 minutes. Et ensuite, on passera sur 180 lumens pendant 70 minutes. On est sur une lampe qui fait 58 mm sur 21 mm de diamètre. Et on a un poids de 50 grammes, 49,5, hein, sans la queue. Et le LED, la LED, crie XML2. Donc, une LED qu'on connaît bien. Alors, pas mal du tout parce qu'ils ont fait un petit pack vraiment sympa. Avec une petite pochette un petit peu dure, et à l'intérieur on va y retrouver la lampe avec la queue à l'intérieur. Ici un petit clip qu'on va pouvoir positionner sur la lampe si on ne souhaite pas l'utiliser en lampe frontale. Donc un bandeau assez bien fait, simple. Donc il n'y a pas de bandeau de tête comme on peut le voir ici sur la photo, enfin qui se passera au-dessus de la tête. On va pouvoir enlever la lampe de son support et l'utiliser comme une lampe EDC normale. Je vous montre tout de suite la queue, donc ça se passe derrière. Donc à l'achat vous avez une protection, donc il faudra impérativement ouvrir pour enlever la protection. Et là on voit le fameux AQ, donc ça c'est un AQ jetable 3 volts, donc le CR123. Il existe évidemment le CR123 rechargeable que vous allez pouvoir utiliser en 3,7 V pour la mettre à l'intérieur. Juste petite précision, le côté positif se met sur l'extérieur. On vient revisser le culot d'ailleurs qui est aimanté, donc ça va être assez pratique également quand on va vouloir utiliser sa lampe quand on sera par exemple dans un véhicule ou proche d'une surface métallique. Ici à l'avant, comme on peut le voir, un nid d'abeille, donc légèrement incurvé quand même, hein. Donc vous verrez que on le verra ensuite sur l'éclairage, on aura quelque chose de très très large évidemment, mais quand même avec quelque chose de chaud au centre et ensuite une lumière diffuse sur les côtés. Au niveau des fonctionnalités, c'est assez simple. On va simplement appuyer pour déclencher l'allumage de la lampe qui sera sur le dernier mode utilisé. Alors là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis déjà sur le mode, le deuxième mode en fait, c'est le mode 15 lumens. Alors 15 lumens, ça va servir à quoi? Là c'est vraiment environnement proche, quand je mange, etc. Je vais vous parler vraiment bivouac, parce que pour moi cette lampe, je l'arrête juste un instant, cette lampe elle est plus destinée à ce type d'activité. Enfin toutes les activités, mais pour moi elle serait vraiment plus orientée bivouac ou peut-être entraînement court en course à pied par exemple. Mais évidemment avec l'autonomie qu'on va avoir, dans les différents modes, il va falloir vraiment choisir son activité. C'est pour ça que je vais vous en parler par le biais du bivouac. C'est là où ça me parle moi le plus. Donc le 15 lumens, effectivement, moi ça me servirait à éclairer mon environnement proche, à pas éblouir les autres, à pouvoir manger, etc. Et même me déplacer dans le camp, c'est pas un souci. Quand je vais passer ensuite au mode 60 lumens, là ce sera vraiment plus pour si je vais aller remettre du bois, si je vais devoir utiliser un couteau, etc., faire quelque chose d'un peu plus précis, bah, j'aurai besoin d'un peu plus de lumière. Le 180 lumens, alors là pas de problème pour se déplacer, même pour aller marcher, parce qu'encore une fois 3 heures d'autonomie c'est franchement pas mal. Et le double clic ici me permet d'enclencher le 500 lumens. Alors on ne voit pas vraiment, là j'ai choisi du bois pour vous montrer la différence de couleur, donc on est vraiment sur une température ici chaude. On voit qu'il y a quand même un point chaud ici et ensuite tout le reste se diffuse. On le verra beaucoup mieux en photo, mais en tout cas vous voyez, dès que je m'éloigne, c'est hyper large, c'est hyper agréable à utiliser. Un autre mode également, en appuyant 3 fois dessus, c'est le mode SOS. Donc j'ai allumé la lampe, 1, 2, 3. Voilà, 3 fois, et là je suis dans le mode SOS international. Donc ça c'est assez facile de se souvenir, hein. Les 2 fois je suis dans le mode max et 3 fois je suis dans le mode SOS. Je le fais bien le SOS. Ensuite, on va avoir le mode ce qu'on appelle le clair de lune. Donc là, lampe éteinte, je laisse le doigt appuyer dessus. Et là j'enclenche le fameux 2 lumens qui va durer 15 jours. Donc là 2 lumens ça va me suffire à la limite pour l'intérieur d'une tente, pour me déplacer, pour pas embêter la personne avec qui je suis, si j'ai envie de bouquiner, lire une carte, etc. 2 lumens ça suffit vraiment amplement. Il y a moyen également de bloquer cette lampe, ça veut dire si je la transporte, j'ai pas envie qu'elle se mette en route toute seule. Ben, lampe éteinte, je laisse le doigt appuyer dessus,
le mode clair de lune s'allume et s'éteint. Et là, la lampe est bloquée. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir l'allumer. Quand je vais appuyer dessus, vous allez voir. Voilà, il y a simplement le petit mode ici qui vient s'allumer. Donc elle nous montre qu'elle est bloquée, mais elle ne peut pas s'allumer. Pour la débloquer, par contre, on va laisser le doigt appuyé dessus longtemps. Et là, on va avoir voilà, le fameux clic. Et là, on va être de nouveau dans le mode normal. Donc il suffira d'appuyer sur le bouton pour changer les modes. Donc vous avez vu qu'elle est assez simple à utiliser. Et je trouve que ça, c'est vraiment franchement pas mal comme système. Ici, on est, comme vous le voyez, sur quelque chose de très mou. Une platine vraiment sympa en silicone. Donc ça, on aura pas mal au crâne avec. Un bandeau qui sera réglable, ici de couleur bleue. Voilà, qui est classique. Je ne vais pas m'embêter à l'ouvrir. Vous imaginez bien que c'est un bandeau avec le système de serrage. Rien de particulier. Mais comme ça m'évite d'essayer de refaire ça pour le remettre là-dedans. Donc je trouve que c'est pas mal du tout comme petite lampe. Ça change un petit peu des grosses Bertha. Sur le côté, on va pouvoir voir Cool White ou Neutral White, donc Cool White la blanche et Neutral White ce qu'on appelle aussi la Warm, donc la lumière chaude. Voilà, toujours une garantie 5 ans chez Olight, c'est toujours du produit hyper bien fini, hyper sympa. Donc si ça éventuellement ça peut vous intéresser suivant votre utilisation, courez-y vite l'acheter parce que c'est pas mal du tout. Allez, je vous dis à très très bientôt, c'était Christian Jones, bye bye.